Mbande mboka, mboka ngoma kengeli koi, mboka ngoma kengeli meoka. Ikolo kuseka laki na mokono ya mboka kongo etoki. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ya solete mokolo to sakanaki na mosolo ya mboka ekolo Congo ekoki ya solete. Beaucoup parmi nous se posent des questions. Allez-vous, soit je vous demande de vous poser des questions. Est-ce que moyebi toyebi boyebi bozoba nyonso oyo to salito bosali yango bandeko toyaka na motuna o wana po ete toluka toyeba na mobiso moko na lombangu mpona koyeba ba erreur du passé. Est-ce que ces erreurs là na rappelaka bino tout le temps cette histoire des erreurs du passé oyo ezalaka très fatale? Parce que mpona kobisa bino bandeko ya solo ke tout ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui ce sont les erreurs du passé oyo beaucoup parmi nos grands-parents n'étaient pas prudents. Parce que voilà les erreurs, on va saraki et on coûte vie. Il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui. Les laisser aller, c'est laisser faire. Aujourd'hui, la plupart de nous, Africains, surtout nous, Congolais, nous sommes très manipulés. Manipulés par l'extérieur. Manipulés par l'extérieur et nous voyons qu'aujourd'hui, Mama Congo, c'est notre pays, Congo, aujourd'hui souffre. Et alors, le Congo souffre, Congo. Aza ko nyo kama mama Congo, azali violer, azali ko frappe, aza ko bete de gauche à droite, ou ya violer, be étranger ba paya, ne baza ko violer mama Congo. Alors, si nous-mêmes, biso moko ba ndeko ba nation mais le Congo, na conscience na biso moko na kata biso, à se rendre compte de que on a tous contribué dans cette histoire qu'aujourd'hui mama Congo qui est violée. Alors, ba ndeko, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hémorragie? Oyo mama Congo bazako buka bazako bibisa bazako bomaye bazako nyokolaye na bapaya. Alors mama Congo produit mama Congo bazako bibisa miliki biso moko bana somme ko Congo nous congolais toujours arrivé ko mela miliki wanate miliki mama Congo oyo mabele mama Congo batu msusu batu bazako mela ngo santé na bango za malamu. Alors ce que tu te poses les questions comment bapaya bazo mela mabele ya mama Congo bazo ko nyokola mama Congo bazo ko violer mama Congo mais biso ba yaya tozali wana ba tata tozali wana oto bota mwana mama Congo et tozo ko mona mama na biso tozali ko nyokoma la en tout cas le bosso nzambe tozali na etumbu tona etumbu le bosso nzambe parce que beaucoup parmi nous azo kan sa intérêt na ye anga e nga sa bota nga te nga e nga tika na zona nga na te ata ba violer sa la ngani. Mes chers amis, je pense que on aza ko loba et sali na ndenge ya kimokolo que beaucoup de nous va se rendre compte que ils ont contribué ou ils contribuent la violation la viol au bazoko ko violer mama Congo. OK na kati na biso moko ko wanga na ngote ke il a contribué quelque part parce que bato bazali ko manipuler biso na ce sont des étrangers et la plupart sont des millionnaires des milliardaires. Millionnaire, milliardaire, c'est-à-dire que bango va bénéficier de ma belle et ma mère Congo. Tout ce que ma mère Congo a comme ça, comme lait, va tout le monde se faire comme la bisson à yo, tout ça, mon père, c'est le talent, maman Congo, le talent, et ta banango va soba. Moi, il y a du lait ici, pour la bango va mela, baza comme la thème, baza comme Luca, ba Luca, maman, mon sous dans les bandes, pour appeler ça dans le mille qui va mela. Bon, attire attention, c'est très profond. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est très profond. Et ça va servir de leçon à plusieurs qui croient qu'aujourd'hui sont mieux positionnés quelque part, comme ils sont positionnés dans l'administration, dans la politique, dans la force de la France ou dans la fonction publique, tout ça, ils sont positionnés quelque part dans le ministère de la Défense, dans la justice quelque part. Ils sont rendre mauvais service à Mbokaneke, même aujourd'hui qu'il est mieux positionné. Et l'homme est parce que là, ce que tu es en train de faire, reviens une fois en arrière, regarde une fois en arrière, au moins dans le rétroviseur, lui qui dit oh, non, ce sont Batoyo, les cas qui sont les erreurs, mais yo, tu n'arrives pas à réparer cela. Pour le conseil, la réparation et erreur, oyo, batata, batak, ma coco, on a bu ça, oh, monsieur, ça, qui, yo, je conseille à moi, tu connais toujours à obéir aux ordres mal donnés.
aux gens venant de l'extérieur, aux gens venant des occidentaux, aux gens qui ont fait ça, ils ont fait ça qui m'a coupé par la fouée, la fille. Na fouye ba beta ki bango, ba nokola ki bango, ba oblija ki bango, ma kamwe bele, ba zake na chwate, parce que ba yeba ki moutongo te oyo, peuple ba dom, oya ya ki nan fimbo, a beta ki bango, ba zake oblija ba obeir. Mais toi quand même, nous quand même, comme on est là, to bénéficie quand même que to bimi na di banda, to tamboli, to étudier na bango ensemble. Mais comment ces mêmes gens, oyo, ba nan na bango, denge moko na biso, la plupart nous sommes des mêmes générations et aujourd'hui on se retrouve pas dans ma belle maman Congo. Les autres en profitent pour n'en aller parce que aux ans à Katia ignorance aux ans comme yébate qui tu es et aux ans comme yébate de quoi tu contribues dans le mal que maman Congo a n'est là car moi connais là et puis ma petit frère na yo bande kono bo botama na bango na maman Congo baza konyo koma yo za ko mona mais yo comme habitude non toi regarde. Je ne sais pas sur les autres. Prends pour toi. Prends des miettes là. Je vois que moi, les tangas miliki. Les tangas miliki, ta ou fou, le mounouko. Oza koze la ta. Oza koze la ta. Les tangas miliki. Ya maman na yo. Oh, maman Congo. Mais toi-même, yo moukolo miliki wana. Oza li, basa na bado peso droite, mais bado peso ka les tangas. Na goutte, pa goutte, let. Tic. Tic. Et tu es très content. Très content de dire oui. Non, non, non. Bah, même va mériter. Si on va que nous quand même maya lobo, va que nous quand même maya poto poto, on s'en fout de. Parce que moi, au moins, j'ai quand même quelques gouttes. Il y a mille qui a maman à lui. S'il vous plaît, Bandeko, ma canne sur on a lobby que chacun de vous doit comprendre. C'est là que maman Congo me dit, Zambé a bon tout le temps, me dit de vous corriger, vous dire attention, mes chers amis, d'interpeller tout le monde. J'interpelle tout le monde, sans personne. Tous les autochtones, Congo, Bena Congo, de souche, je vous interpelle. Attention, Maniko, c'est que là vous êtes en train d'enfoncer, c'est très mal. Nakobanda, Natulumbo, Nakobanda, Naba, ministre, Nakobanda, Naba, Oyo, Solo, Naba, Kilobiki. Non, ceux qui puissent se mettre aux huîtres comme une main libre chez nous au pays, nous serons capables de faire quelque chose. Je pense qu'à lire, à la lire, une chose, Tulumbo, je pense qu'aujourd'hui, à l'air qu'on fait aujourd'hui, tu peux te sentir déjà que tu as les mains libres. Nous sommes aujourd'hui les quatre. Aux alliés, mais libre, il y a quoi pour nous sauver nous consacrer la consacrer. Alors, on te laisse quelques jours, quelques heures de faire l'extra que tu comptes faire. Parce que maman Congo a péché mise en garde. Maman Congo a péché mise en garde. Parce que ma belle naïe et nous quoi mis. Ma belle naïe a connu comme ma belle chose comme là. À ce moment-là, banane basse connu comme bananaïe, bambo baïe, mais tu m'as inconscient. Bazar na kate ignorance totale, voilà les malheurs autour de vivre, na ma belle kolo Congo. Voilà bandeko, oyota kolo bake ya solo, bandeko mbato mususu ba linga konyo koma, mongo poete a lingi konyo koma, poete a yebite, poete ba bo ba joye connaissance, ba bong se connaissance. Et tout le temps je dis, malo bananga nganga, malo bananga nganga tango na lokango, beaucoup parmi vous vont pleurer demain, parce que baroye ba teke, oyo non so bazar ko sa lelo, lobby, passé, et zéro est là présent, non? Mais lobby est au coma, passé. Et passé, on a, et on a trop amer, n'a batté, bille, baroyé, batté, pour n'a ni tout contribuer à qui n'est le coma. Alors, cher, derrière, là-dedans, je pense aussi, il faut s'adresser à tous les autres Africains, aux tous autres Africains, oyolelo, tous les autres Africains, que je demanderai de sortir, na katia, esclavagisme, oyo, y'a peuple d'hommes, à tiabiso, na katia, mokili. Donc, peuple d'hommes s'organise. Comment a manipulé la cabusso de siècles et de siècles? Aujourd'hui, ils nous ont amené leur dit de balles que nous savons de siècles et de siècles. Alors, tout ça, comme on a que Busso, Bazali, Bazoa, Busso, Nakatia, piège, piège, wana, personne, Azolina, Kobimana, piège, wana. Mais aujourd'hui, peuple de la Busso, Azali perdant, Azali sans connaissance, Azali locomoboté, c'est-à-dire que Bato, Azo, Sanaka, toujours va maintenir Busso, Nakatia, esclavagisme. Na ko dominer biso na ba moyen nyoso. Alors biso bato otobaki ke to tanga ka moi kela simoke. Qu'est-ce que nous apportons aujourd'hui na population o ba tanga kela cité na za ko mona ke. Donc c'est juste le contraire ba ko za ko nyo comme on avait le Congo à cause de beaucoup parmi vous. Voilà bande ko ba na somme école Congo. Aujourd'hui nous allons vous parler de cette histoire qui se passe en RDC Congo. Oyo bande que bele basa ko ye ba tout ya ki na moi conseil et puis comme ça bino ki ya solo so ki o ya lo kanza ke aza gagnant parce qu'il est quelque part positionné ye ba ko za gagnant te lobby tu vas regretter que tu étais là c'est toi qui devrais faire quelque chose mais tu ne l'as pas fait
mais mon thème ma bête tous elle entre biso la biso oh non 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 yete mais mon paya l'air mon paya yé bon le bête ils a bien pour la paya ils a bien te pour la biso mon coban en sous les colo Congo na kanesi ils allent plus au sein à mon la biso à luka à tellement. Alors je vais vous parler de cette histoire au réseau de Kanakata à Kinshasa avec les États-Unis d'Amérique, l'histoire de Kinshasa du Congo avec les États-Unis américains. Aujourd'hui, on va manipuler Bissot en poussant des arguments comme quoi que Bissot n'a pas un cadre de partenariat privilégié. Bissot n'a pas qui est qui hors RDC Congo n'a pas un tout ça pour moi n'a beaucoup plus tout ça au yoka baza pour chanter baza pour chanter. Ah oui, Bissot t'a sauvé binon Bissot t'a rien à aider et tout le monde a beaucoup de Congolais là derrière dans cette histoire là. C'est baso qu'on s'est contenté que oui. C'est la solution. Mais que ba yé pena ko souba biso. Ça, ce n'est pas la première fois que je me répète cela. Nazo répétant tout le temps que les Américains ne sont pas au Congo cette année. Je me souviens encore vers les années 70, 60, 68, 69. Les Américains étaient là. Regardez depuis ces époques-là jusqu'à présent. Ils sont là présents dans Katekolo Congo. Ils sont là avec l'air de France. Ils sont là avec l'air d'institutions. Ils sont là avec MONUSCO, l'ONU. Mais on voit qu'il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge et ça ne bougera pas. Pourquoi? Parce que, bah, yébi, qui sont ces gens-là? Ils sont faciles à manipuler. Alors, il faut les mentir avec des promesses. Alors, ma promesse, par exemple, on peut ça. Aujourd'hui, tant que moi, qui solo, et ça, ça, oh non, so baza ko pesa biso na kati ya mabele koloko. Ba promesse ba pesa biso ya solo to la bino. Ba américain ba ça la ba pesa ma promesse ba pesa bango moko ba yebi ke peuple wana ay aza mutu moko fo ko nourrir avec des promesses. Alors ba comment ko utiliser ba conduire la biso ke ba ça ba organisation ba ko ba ça ba institution na bango o ezala ka wana pona ba ko pesa ba promesse ke miette ba pesa promesse. Promesse va ça, tout le temps, c'est retrouver. Le plus important de se retrouver. Mais tout le monde, parmi Bissot, beaucoup ne se retrouvent pas. Beaucoup continuent toujours à pleurer parce que des années, des décennies, bah, tout le monde a que, ou qui les ont bougé. Quelques pays d'autres, ils ont bougé, mais le Congo, Penza, tout ça, pena parce que tout le monde se compare à d'autres pays. Pour être, la richesse, tout ça, on a quand même toujours premier en tout. Mais là, on constate que nous ne sommes pas premiers. Nous sommes encore derniers. Et là, on nous dit un pays potentiellement riche, mais richesse à Congo, là, voilà, vous allez classer comme le pays, le peuple le plus pauvre du monde. Peuple le plus pauvre de la planète. Parce que, on manipule, et alors, nous allons vous parler encore de cette histoire de la grosse mafia du siècle. Oyo, ezali koleka, nakati ya francophonie. Nakati ya francophonie, c'est la France, quand on parle de la francophonie, la France ezali à la tête, parce que France, francophonie, et des pays qui parlent le francophone. Alors, bah, pays wana, qu'est-ce que nous avons constaté pour vous? Nous allons vous expliquer parce que vous voyez que le tout organisme, l'institution, nous sommes en nous, na francophonie, na niveau ya ONU, nous sommes en la mafia. Mafia wana ba yana ngo poete, ba yes mino ke la démocratie, nous sommes là avec nos institutions, il faut respecter, il faut écouter, nous sommes là pour vous aider. Et tandis que en réalité, ils sont pas là pour nous aider parce que na kanti tout le monde comme il y a partenaire privilégié, tout le monde a que ils a mafia né le partenariat, tout le monde a que ça privilégié, ils a gagnant, mais elle est entre les gagnants et les perdants. Nous restons toujours du côté perdant et ils nous proposent, mais qu'on allait réaliser que pour tout le monde, que vraiment beaucoup qu'ils aient beaucoup qu'ils allaient qu'on s'enfonçait dans la nzela, dans la sociale, dans ma campagne d'éducation, dans l'énergie, dans ma campagne tout même infrastructure, zéro. En RDC Congo, ils ont passé. Alors, nous allons revenir là, au côté en profondeur, la douceur, il y a francophonie que nous acquisons aujourd'hui, la France qui est à la tête avec des colonies françaises et les colonies belges qu'on classe toujours dans la colonie française parce qu'ils nous ont appris la langue française. Alors, nous, on parle français, mais tu vas constater misère quelque part, malheur quelque part.
y a bateau balouaka français. Toujours se comparer par rapport à l'anglophone. Les pays anglophones sont se comparer à Bango. Tout le monde a une question plus avancée que nous. Pourquoi ces pays anglophones sont plus avancés? Pourquoi les colonies anglophones sont plus avancées que les colonies francophones? Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et tandis que ce qui te dit bien, la présence dans les médias de la colonie ou des Français, et le Bamakaming, même l'histoire de la francophonie, tout le monde entier, la francophonie invite, la francophonie va fêter, la francophonie va aller comme ça. Tu y a un anglophone, tout le monde a silence, mais un silencieux hybride, mais tout le monde a un moteur tourne, véhicule retombe, mais hybride. Mais côté à diesel de français, Makele, il est trop de bruit, mais on sent que ça ne va pas. Avec leur colonie, il y a que des désordres. Il y a des désordres. Ma colonie, on y est, va passer dans ma franco. Dans la côté de ma francophone, autre chose que nous avons la même chose, belge, tout ça, tout ce qu'on a rendu de ma francophone. Alors, et tu as remarqué que c'est une escroquerie, une grande escroquerie, Oyo essaie de rouler en Afrique organisée par partenariat Oyo n'est pas soit privilégié Oyo va français va la francophonie gagnant perdant Oyo toujours le maquet. Cette histoire de gagnant perdant datée de 1885 en titre de rappel, vous le savez, quand les 14 plus grandes puissances de ce monde se sont réunies dans la 4e conférence de Berlin, qu'est-ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont tracé, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs documents, et que leur petit-fils utilisent toujours le même chemin et nous gardent toujours des esclaves en 21e siècle. Cette histoire qui s'est passée en 1885 et nous constatons que ça continue, ça n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce que Yonanga, Togolobake, Tozaba, intellectuels, mais nous ne sommes pas des intellectuels, nous sommes quelque part formatés. Formatés, c'est-à-dire qu'on doit suivre à la lettre ce qu'ils nous ont enseigné en histoire, en économie, en tout. Et tout ce qu'on nous a enseigné, on voit quelque part que ça nous bloque. Ça nous bloque, on ne s'en sort pas. On doit toujours se référer, demander toujours au professeur ou regarder les documents du professeur. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, il nous a enseigné la politique, comment gérer le pays, il nous a enseigné l'économie, comment gérer le pays avec ça. Mais à la fin des comptes, on voit que nos populations souffrent. Et on voit que vraiment que nous sommes là à côté des intellectuels, qu'on se dise on est intellectuel, mais en réalité on ne fait rien pour ce pays-là. On a étudié, mais on a été formaté, travaillé tout ce qu'on doit faire sur mesure de tout ce qu'on nous a enseigné. Et voilà ce que je vous dis tout le temps quand les autres, le président africain, passe tout le temps en France pour gérer que nous, dans leur loge, oui, nous, de la franc-maçon français, franc-maçonnerie, donc de la France. Donc, nous, j'irons défendre les intérêts de la France. Et il ne se pose pas des questions. Mais quels intérêts de la France que je vais commencer à défendre? Moi, on m'a nommé, on m'a élu comme président de tel pays africain. Pourquoi je dois défendre l'intérêt de la France? Et le président français, j'irai défendre l'intérêt de quel État ou de quel pays? Alors, là, ça devient un peu compliqué. Si je pose la question, personne ne va me répondre que oui. Non, on ne sait pas. On nous dit seulement que vous êtes dans leur loge, on va vous protéger et on va vous défendre. Mais la plupart, à la fin des comptes, tout ce monde plaire. Ils plairent pourquoi? Parce qu'après, ils disent, oh, ils m'ont poignardé, Bokassa. Mais moi, Bokassa, il dit, je vous répète cela, cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent la cabine pour comprendre que non, l'affaire que nous vivons en Afrique, là, c'est le cas des Africains. La plupart, tous les pays africains, nous sommes dans les mêmes paniers et nous vivons cela. Alors, Bandeko, cette histoire-là, vraiment, Oyo, qui la France nous a amenés, donc nous sommes tous des perdants, les Africains et les colonies, françaises, francophones. Nous sommes des perdants. Et voilà, mes chers amis, nous sommes tous roulés dans la carte Oyo et ça les préparait par les Français. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, là, je vais vous dire. Donc, aujourd'hui, la francophonie est la misère pour les Africains. Les pays, de colonies françaises sont des pays de misérables, des pays à problème, à conflit. On a tout le temps de problèmes, on a tout le temps de conflits. Mais ça vient d'où?
Alors, toutes ces histoires-là, c'est organisé par la France. C'est organisé en France pour nous mettre en insécurité, nous mettre en désordre. Parce que non, dans un endroit ou dans une famille ou dans une maison où il y a le désordre, vous n'avez pas le temps de mettre la peinture parce qu'il y a tout le temps entre vous. Allez, toi. Qui va avoir le temps de mettre la peinture, de mettre l'électricité, d'organiser les lits, d'arranger les chaises. Donc, c'est-à-dire que ce sont des stratégies bien organisées, nous mettre en désordre tout le temps permanent, les désordres des conflits permanents, et voilà, ils profitent là-dedans, parce que les conflits sont organisés à partir de la France. Donc, tout ce que nous voyons là, comme ce qui nous amène comme les terroristes, les rebelles, et les groupes tels, en France, en frontière telle, ils sont allés, ils vont menacer le Centrafrique, ils vont menacer le Soudan, ils vont menacer la Tchad, ils vont menacer le Congo, Rwanda, Burundi. En réalité, si vous suivez tous ces pays-là, c'est toujours la France qui se cache là derrière. Pour quel intérêt? Bien sûr, ils ont un grand intérêt là-dedans parce qu'ils en profitent, parce qu'ils doivent vendre les armes. Ils doivent vendre des armes et ils doivent vous fournir des conseils et vous fournir les armes et les munitions, comme ça, ils gagnent doublement, ils gagnent en tout. Voilà, mes chers amis, balançons les Congo. Alors, aujourd'hui, nous sommes tout le temps en conflit. Donc, le conflit permanent, parce que problème, c'est le problème qui, à l'origine, c'est la France qui organise tout cela. Alors, Bandeko, quand je dis des choses comme ça, c'est à vous de comprendre, de mettre beaucoup d'attention là-dessus. Non, mais comment est-ce qu'il faut faire pour essayer d'échapper à ces chemins-là, parce que personne ne va s'en sortir tant que nous suivons que oui, nous sommes là pour obéir à la démocratie, les démocrates français, ils sont là pour nous aider. Jamais, je vous dis, oubliez cela. Personne ne vous aidera parce qu'ils en profitent de ces désordres-là. Ils mettent des désordres, ils vous laissent dans la jungle. Et dans cette jungle-là, ils en profitent parce que s'il y avait des désordres, ils vont pas profiter là-dedans. Alors, voilà, mes chers amis, prenons l'exemple que je vous dis, parce que beaucoup de gens le savent qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains, la monnaie qu'ils utilisent, comme surtout le franc utilisé comme à l'époque, maintenant, ils connaissent toujours utiliser le franc et le franc CFA, le franc des colonies africaines, le franc français des colonies africaines. Donc, disons, la colonisation contenue côté économie, parce qu'ils nous colonisent toujours en monnaie, ils nous colonisent. Quand ils maintiennent la monnaie, ils maintiennent aussi l'économie du pays, donc vous êtes par terre, vous dépendez. Alors, comment depuis ces décennies, depuis plusieurs décennies, aucun président, les intellectuels, les économistes, ils ont fini dans les universités, ailleurs, à gauche, à droite, n'arrivent pas à s'en sortir dans cette histoire. On a vu quelqu'un, Kadhafi n'avait pas tant de diplômes, mais Kadhafi a essayé de dire, non, il faut arrêter avec cette histoire, nous allons nous organiser d'avoir une monnaie à nous. On l'a assassiné par Kadhafi, par Saddam, dans Sarkozy. Et il est là, et les autres pays africains sont calmes. Et ça ne leur dit rien. Et non, on a assassiné Kadhafi. Alors, nous, on ne bouge pas. On bouge, on reste là. On est là, on doit respecter tout ce qu'on nous donne comme instruction. En 21e siècle, ça c'est grave. Ça c'est grave. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vos enfants seront enseignés demain pour savoir qu'ils regardent nos grands-parents, nos parents, ce qu'ils ont fait, ils nous ont laissé tout dans la merde, tandis que ils étaient là en France, ils étaient là aux États-Unis, ils étaient là partout, ils ont étudié, mais ils sont incapables de nous faire quitter dans cette histoire qui nous embête du siècle, des siècles, des décennies. Voilà, mes chers amis. Et alors aujourd'hui, là, les dirigeants africains, vous le savez, précisément toujours, en faveur de la France, de la francophonie, dans leur loge, ils voient toujours que non, ils sont protégés par les loges françaises. Alors, bien, dans l'entretemps, nous sommes là, les Africains souffrent. Alors, les Français, les francs en général, aujourd'hui, si nous constatons bien, la monnaie que les Français nous ont imposée dans les pays africains, et si on vient ici, on observe dans plusieurs pays, allez-y, allez constater, allez dans les banques, allez dans les bureaux de change, posez la question, vous avez des francs ici, des francs CFA, des francs Lyonnais, il n'y a pas de valeur. C'est une monnaie sans valeur. Une monnaie sans valeur. Oh, comment une monnaie sans valeur? Et tandis qu'à l'origine, ça vient d'ici. Alors, ça devrait avoir une valeur, plus ou moins ici. Mais il n'y a pas de valeur. Donc, ça dit, c'est la monnaie qui n'est pas considérée. Alors, nous payons cela.
Mais c'est que j'ai fait un constat en observant dans d'autres. J'ai regardé quelque part, j'ai vu un shilling kenyan. Shilling kenyan. C'est quoi ça? C'est un kenyan, c'est un enfant, non? Mais vous avez, oui, nous avons des shilling kenyan, vous pouvez acheter, nous pouvons, je peux vous vendre ça, le shilling kenyan. Vous pouvez venir avec, vendre, vous pouvez acheter aussi. Et alors, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et nous sommes ici dans le pays francophone. Donc, c'est-à-dire que l'influence des pays anglophones joue là-dedans. Donc, les pays anglophones sont plus forts que nous. Admettons que s'il faut bien observer, vous allez voir que la plupart des pays qui parlent anglais, et dans leur pays, ils sont plus avancés en économie et en tout par rapport à nous autres pays francophones. Donc, ça, c'est déjà, vous savez, au moins, c'est que ce n'est pas dans le même au niveau instructif, au niveau tout, au niveau organisationnel. Vous allez voir que oui, effectivement, dans les pays anglophones, et les gens sont bien organisés. Ils ne parlent pas le français, ils parlent l'anglais, ils parlent leur dialecte, ils parlent leur langue traditionnelle. Mais vous allez voir que les gens là sont bien organisés, ils s'en sortent très bien. Leur colonie marche très bien. Mais les nôtres, il y a tout le temps qu'il y a des désordres, des guerres, des guerres. Donc, même si dans d'autres pays anglophones, il y a quand même des désordres, chez nous, c'est trop flagrant. Chez nous, c'est trop, il y a trop de génocides. Chez nous, il y a trop de nombre de morts par rapport à d'autres pays anglophones. Alors, voilà Bandekoba dans ce Congo. Congo, il y a solo que, admettons, j'ai pris l'exemple de trois pays que je peux vous citer aujourd'hui, de trois pays africains, aujourd'hui très développés, très avancés. On parle de l'Éthiopie. En Éthiopie, mes chers amis, il n'y a rien comme richesse. Éthiopie. L'Éthiopie aujourd'hui développée suite à l'aviation civile. Ethiopian Airlines. Si tu vas une fois en Éthiopie, tu dis, mais nous sommes en Afrique ou nous sommes en Occident? Oui, nous sommes en Afrique, mais ils sont bien organisés côté aviation. Et ils s'en sortent très bien avec l'aviation, à part quelques autres manœuvres qu'ils font à partir de leur aviation. Alors, prenons l'exemple du Kenya. Kenya même, vous allez arriver là-bas, au Kenya, c'est toujours les mêmes choses. Aviation très avancée. Mais en regardant, s'il faut comparer le Kenya par rapport à l'Angola, comparer le Kenya par rapport au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, tu vas voir que vraiment, c'est un rêve, quoi. Donc, les autres, donc, ça n'a pas la comparaison. Allons aussi même en Tanzanie. En Tanzanie même, hein. Dites, mais c'est quoi? Ces gens célébrent très bien et des pays anglophones. Mais si, admettons aujourd'hui, on descend du pays du côté francophone, prenons l'exemple du Congo, les deux Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Oh, dans ces pays-là, il y en a qui sont pauvres, les têtes sont pauvres aussi. Des réflexions, donc, incroyables, les gens ne raisonnent pas. C'est-à-dire que nous, dans ces pays-là, il y a des minéraux, il y a tout. Mais les gens ne s'en sortent pas. Il y a la misère qui frappe les gens. Il n'y a rien. On ne peut pas dire que non. Ah, on peut faire référence au Congo. Si on fait référence au Congo à quelque chose, ah oui, il y a des diamants là-bas. Il y a du or, il y a coltan, cobalt, aujourd'hui, du cobalt, ou le produit qu'on fabrique, le GSM là. Mais c'est les Congo. 80% qui alimentent le monde entier, c'est les Congo. Mais, oh Dieu, mais comment ces gens-là souffrent? Qu'est-ce qu'ils ont pas? Ils ont tout. Mais comment ils souffrent? Oui, c'est organisé au niveau international. Et alors, nous, chez nous, les Congolais, personne n'arrive à démanteler ces réseaux-là, à dire que non, il faut arrêter cette histoire parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous classe parmi le pays potentiellement riche en richesse, tout en ressources au Congo. Mais aujourd'hui, on voit que les Congolais sont classé le peuple congolais par les richesses du Congo doit prouver par rapport à l'avenir, à la vie des populations, peuple souverain, parce que les richesses appartiennent aux Congolais. Et les richesses du Congo appartiennent à qui? Aujourd'hui aux Congolais, les Congolais ne s'en sortent pas. Pourquoi? Ça, je pose la question, c'est à vous, et raisonnez un peu chacun de vous pour comprendre pourquoi nous avons le sol riche, mais les habitants très pauvres. Posez-vous des questions et vous allez comprendre que vous êtes tous, nous sommes tous des très pauvres, des misérables, des malheureux. Mais tandis que le sol est vraiment là rempli de minéraux. Oui, et ça le faut.
Et allez faute na biso parce que toza ko yeba te nani azo tia biso bakal toujours quand ça ou toujours considéré comme ami ou toujours considéré comme parrain ou toujours considéré comme toza na partenariat nous on te baza ba escro bazo ko escro ke biso bazo ko escro parce que bazo ka bazo ba ki gana en réalité c'est pas du gana, il nous impose non minéral nous il nous impose le prix non minéral nous il nous impose des conditions de vendre donc c'est le Rwanda qui doit vendre il faut passer par le Rwanda il faut passer par la Monusco pour avoir l'aval avant de vendre vos produits. Et ça tient debout cela. Non. Si on va en réalité, ça ne tient pas debout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas rond dans cette histoire-là. Donc c'est à nous de voir pourquoi ça ne va pas très bien. Donc voilà vraiment la Yaki l'émission pour vous expliquer un peu que Yasolo et Lokomoko et ça marche bien dans nous, surtout chez nous au Congo, parce que au Congo, il y a beaucoup de minéraux au Congo. Il y a des richesses là-bas, au Nzambé, à Tierra-Busso, mais personne ne profite, c'est la question des étrangers qui en profitent. Les étrangers sont tous, ils viennent au Congo aujourd'hui, main vide, sans même bagage, mais demain, il est milliardaire. Mais Congolais, tu es né là-bas, grandi là-bas, dans les Kasai, dans les Katanga, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, dans les Haut-Zaïre, partout dans les Congos, mais tu es toujours classé parmi les peuples vulnérables. On te dit, ah, oh, ce sont les peuples vulnérables. Ah, un pays vulnérable, le Congo. Mais dans l'entretemps, ils sont là, tous là, mais ils sont à l'aise, ils gagnent bien leur vie, parce que la misère, c'est pour vous, les Autochtones. Vous comprenez? La misère, la souffrance, c'est pour vous, les Autochtones. Les richesses du Congo appartiennent aux autres. Est-ce que vraiment devant Mama Congo, comme je vous ai dit au début de la mission, est-ce que Mama Congo sera d'accord avec vous que Miliki Naye, voilà l'histoire de Miliki que j'ai commencé, Miliki Naye, ou ma belle Naye, ou ça comme ça, ba, mais yo, moi, nanaye, ozo ko komela Miliki Naye, te po, yo, ozo ko yeba te wana li belle Mama na yo, il faut benga na batu, soupo, yo, mela Miliki wana. Yolo kantake, matango bazo tangisa, yo mamso bazo yon ngoko, bazo poussière mo quelque part, ya pembe, batangis yo bazo tangisa, non, eza Miliki, ya maman na yo mela, nzo katia Miliki ya maman na yo te, eza li, mamso poudre mo kobo batye quelque part, batye ango, batye mai, bazo tangisa yo, yo mela. Voilà, mes chers amis, balançons mes colos. Congo Toyaka, on a pas encore bétambé là, vous édiquez un peu quelque part, parce que tout doit commencer par là. Tout ce que vous plairez aujourd'hui, s'il faut aujourd'hui dire que oui, nous avons de très bons politiciens, il faut suivre tel parti politique. Commençons tout d'abord à savoir pourquoi je dois soutenir tel parti politique. Pourquoi je dois les soutenir? Pourquoi je dois aller à l'église? Pour combien de temps que ces gens-là étaient là avec leur église? Est-ce que l'église là qui nous ont amenés, les peuples et d'hommes, est-ce que l'église ou est apportée plus au quoi? Ce sont des questions que chacun de vous doit commencer à se poser des questions. Oui. Yamba le makake, mon peuple périt, manque de connaissances. Mais l'église me met la biso. Bah, y'a qu'on sa biso, t'es parce que ton gaba biso, na étape, yoana, y'a pauvreté. Effectivement, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous mentir, parce que là, vous êtes là dans l'ignorance totale. Bon, il n'a bien importance. Non, j'étais là, prier, n'zamba, font là les colos, les mains, à boire avant man encore, n'est pas le bas qui, tout c'est des couillères, tout n'a plus ce couillère. Vous c'est là, oh, tu es le repamba, oh, y'a une chose comme mon vanité de vanité, ça rien, vanité de vanité, vous c'est là, abusons à l'eau là, c'est ça, c'est qu'on me raconte. Alors, des choses comme ça, ça bloque tout, les réflexions des jeunes n'arrivent pas à s'en sortir, et voilà, les peuples malins, les escrocs s'amènent là, avec leur loge, proposer aux étudiants, proposer aux écoliers même, que non, les chemins pour réussir dans la vie, il faut pénétrer dans nos loges. Dès que vous êtes là-dedans, c'est-à-dire que entre nous, nous allons s'entraider et beaucoup ont perdu leur vie à cause de cela, parce qu'ils vous ont affaibli moralement, physiquement, mentalement, et alors, en vous proposant quelque chose, regarde, pourquoi tu souffres? La solution, c'est ça, il faut pénétrer, il faut entrer dans nos loges, être confrère. Et ton confrère va te donner du travail. Si tu n'es pas là-dedans, on s'en fout. Tu vas souffrir. Voilà. C'est ça le malheur chez nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont proposé cela, le peuple. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous des perdants parce que, pourquoi? On a dit, on n'a pas compris qu'on avait, on a un Dieu. Les dieux de nos ancêtres. Mais on a oublié ces dieux-là.
on crie que, on croit que aujourd'hui les dieux des peuples d'hommes qui nous ont amenés et ce dieu là qui va nous sauver. Et voilà, Mama Congo, comme j'ai dit, comme Nzambe en Pogotolendo, Nzambe à Congo nous observe, nous garde, oui, comme il va y bingate, tika bomba que nous ne pas à Motoana, tika bomba que nous ne pas à Diabolo, wana, le peuple d'homme de Dieu des balles. Et voilà, c'est pour cela l'origine de notre souffrance. Nous ne savons pas comment s'adresser et s'adresser à qui. Et comment il faut être prudent pour savoir comment est-ce qu'il faut prendre les choses en main, Bisso Moko, Top Lana Borgina, Bisso. Oh, il y a des bossos, il y a encore qu'on a des bossos qui sont puissants, et des bossos qui sont puissants, voilà pourquoi, parce que, il y a des bossos, dans le peuple d'hommes, mais, depuis qu'on dit cette histoire-là, est-ce que parmi vous, il y en a battu assez à comprendre? Oui, merci pour les gens qui ont déjà compris que comment il faut se débarrasser de toutes ces histoires-là, comprendre que, il y a des bossos, c'est pour ça que, il donne que des promesses. Des promesses. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, parce qu'il y a plusieurs traductions, Bible, c'est le Bayanzambe, tout beau été. Mais ce qu'il nous enseigne, il nous enseigne beaucoup de promesses. Attendez, Ekoya quand? Ekoya te bateau, azo botan, azo koufa dans la pauvreté. Banda kola, kaka, passe. Famille mobimba passe na passe a koufi papa na yaza ki moto na passe mama na ye moto na passe ba yaye batu nous en famille ba génération 3 4 5 générations batu na passe na passe et ba moni ki ta ngo normal era ngo normal comme ça il regarde le voisin banda ba ya 3 4 5 générations batu na ba vivra bien, ils sont toujours bien. Donc vous êtes malheureux, des pauvres et boya kotika ba ngo ki non. Nous sommes à l'oubli, nous sommes à l'oubli, oubliez cela. Alors, il nous manipule, il commence par nous affaiblir moralement, physiquement, mentalement, et voilà, il domine sur nous. Donc, voilà, nous avons souhaité que nous qui mettent des commentaires inutiles, alors on a dû supprimer le direct. Maintenant, il faut faire comme ça. On lance l'émission à tout le monde. Merci à vous et bravo. Merci. Courage. Nzamba Pongo Tulendo, Nzapa, Nzakumba, Akongo Mungali, Vidi Mukulu, Mungu Baba, Mungu Amelele, Nzambika Ogu, le Dieu de nos ancêtres, que vous voulez bien que je cite comme ça. Oyo Atinda, Vunuski Mbawon Mabele, Kolo Kongo Mabele, Kachopa. Ou atina mama ki pa mvita na mabele kolo kongo no bele ya kachopa. Ou a ya po ite a biki sa bino na ndenge ba mkoko nizwa nongo bele la. Bo bele la ye na kanisi tozwa li biki na kombo na ye. Ale matondo, ingeta, ibobo.